T'as de la chance d'avoir ta tête, elle est passée à la télé. Un jour, un inconnu s'approcha de lui. Es-tu le fils de Mustapha? Oui. Moi, je suis ton oncle. Tiens, voilà de l'argent. Aladdin part tout joyeux retrouver sa mère et lui raconta sa guide. Et puis quelques achats, ils partirent à la campagne. Apporte-moi des branches sèches. Abracanabroum, abracanabra, abracanabra. Pas ici, si tu continues à me traiter d'une façon aussi despotique. Ici. Il courut vite tout raconter à sa mère. Ce n'était qu'un menteur, supposons-le. Aladdin frotta sans s'en rendre compte la lampe qu'il avait rapportée. Je suis le génie de la lampe. Ordonnez-moi, mon maître, et je t'obéirai. Donc, il voulut se marier avec elle. Se marier avec la petite sultan? Oui. Aladdin frotta la lampe et demanda aux deux génies Sabia sans marcher et se diriger vers le palais. Les jeunes époux les plus heureux. C'est ça. Mais non, mais Sandrine, tu joues pas le jeu. Non, vous allez sur l'araignée, hein, pas de suite. Là, derrière. Oui, ça tourne. Alors, ça tourne. Non. C'est bon, ça tourne. David et Michael, on vous attend là. Ça tourne. Hop. Vas-y. Mais encore. Bah, avancez. Action. Ok, tu dégages. Ça va être, tu coupes pas, hein, on va le faire en continu. Tu t'arrêtes, en fait quand tu veux, hein, mais à un moment où tu es dans une position, un petit peu... différente que celle-là. Voilà, allez, vas-y. Vas-y, non, c'est bon, ça tourne. Ah, putain, le cadre. Si, elle est tranquille. Chut. Elle est trop loin. Quand tu veux, hein. Non, c'est quand tu veux. Quand tu reviens, vas-y, en revenant. Reviens de là-bas, en courant, et puis arrête-toi quand tu veux. Et au moment, il était plus dans le cadre, il était là-bas. Okay, rien. Vas-y. Tu t'arrêtes quand tu veux. Mais Valérie, elle vient. C'est bon. C'est bon.
Silence, c'est silence. Non, tu attends, Abigail, il y avait du son. Viens. Non. Non, quand vous voulez. Vas-y. Hé, silence. Parfait. Ok, c'est bon. Attends. Attends, là. On... Oh. T'es pas dans le cadre non plus. Et on peut monter à la cage pour trouver une cage. Action. Allons-y. Mais souvenez-vous, il ne faut pas sortir de l'école sans aucun prétexte. Si tout d'un coup, nous, à notre tour, en sortant, nous deviendrons immobilisés, pétrifiés, cloués, paralysés. Action. Allons-y, les copains. Mais souvenez-vous, il ne faut pas sortir de l'école sans aucun prétexte. Si tout d'un coup, à notre tour, en sortant, nous devenons immobiles, pétrifiés, cloués, paralysés. À perdre. On va faire autre chose là. Hein.